Bon, moi je vais vous montrer comment installer Tap Tap Revolution puis ensuite Guitar Hero 3 sur votre iPod Touch. Premièrement, votre iPod doit être jailbreaky. Puis là, vous allez dans Installer. On va installer Tap Tap Revolution. Puis quand vous arrivez ici, cliquez pas sur le Tap Tap Revolution ici, il marche pas. Allez dans Install en bas. Allez dans All Package. Là, tapez Tap là, dans la barre de recherche en haut, recherche. Là, il y aura deux Tap Tap Revolution. Mais là, le problème, attends, lui, il est pas bon parce que c'est la version 1.3. Faut que ce soit la version 1.6 que vous installez, celle-là. Parce que si vous installez la 1.3, ça va faire ça, là, ça va marquer genre Google's Demand, Package Download Field, Can't Connect to Host. Alors là, il faut vraiment downloader la 1.6. Alors, je vais enlever les queues, ça, install. Là, ça, ça devrait marcher. Bon. Tap Tap Revolution, il est supposé être sur votre bureau, hein, on va dire ça. Ici, quand vous cliquez dessus, là, mettons, vous voulez New Track, mettons juste ça, Download. Là, ça download, je vais cliquer, puis là, vous voyez, top, top. Fait que c'est ça, ça c'est pour Tap Tap Revolution, puis maintenant, si vous voulez installer Guitar Hero, vous allez dans Installer, vous allez dans les sources, ici. Vous faites Edit, vous faites Add, là vous tapez Limited Edition iPhone.com /LEI.xml. Limited, L-I-M-I-T-E-D, Edition, E-D-I-T-I-O-N. iPhone.com /LEI.xml. Là, vous appuyez sur OK. Là, ça devrait tout fonctionner. Refresh source. Si ça marche pas, ça veut dire que vous avez mal tapé la barre d'adresse. Là, une fois que c'est installé, assurez-vous qu'il est dans Limited Edition iPhone. Puis là, il serait ici. Faites Done. Vous allez dans Install. Puis là, il devrait être là dans les jeux. Vous sonnez dans les jeux, vous faites la barre de recherche. Là. Comme vous voulez. Bon. Ah, il est là. Là, il faut faire vraiment attention. Parce que celle-là, là, il fait crasher votre iPod. Là. Il fait fucker, là. Parce que ça le marque, là. Ça marque version 1.1.2 en bas seulement. Là, nous, on veut pas taper sur lui, hein. Je veux pas le faire, lui. Faites Guitar Hero 3, Fortnite Truths, TTR. Celui-là. Celui avec un 3 pas, le 3 en chiffre romain. Ça doit être la version 1.4, à moins que... Là, vous cliquez sur Install. Puis là, quand il est en rouge, ça dit que c'est unsafe, parce que c'est pas un site ils ont été vérifiés par la compagnie. Fait. Là, c'est un site... qui marche pour moi, parce qu'il y a des sources des fois, puis quand vous installez des applications que ça fait, ils font juste ça pour vous faire crasher votre iPod, puis après votre iPod ne marche plus. Bon, là il y a le Tap Tap Revolution, il a changé pour Guitar Hero. On clique dessus et voilà, ça c'est Guitar Hero. Là on fait, mettons, Download Track, non, New Track. Là, on a download un n'importe quel, on s'en fout. Download. Là, ça va être Guitar Hero 3 sur l'iPod Touch. Moi, j'utilise la version 1.1.4. Attends, on va cliquer sur lui. Let's go. Bon, je trouve qu'il est mieux fait que l'autre, il y a plus de précision. L'autre est plus tough à utiliser. Tap Tap Revolution est plus tough, ça veut dire. Fait que c'est ça, c'est le même. Là, vous avez
Guitar Hero 3 sur votre iPod Touch. Et aussi, vous pouvez aller dans votre iTunes Library, ici. Ça, ça cherche tout ce qu'il y a dans votre iPod, puis qui est compatible avec ceux sur le net qui l'ont déjà fait, la tune. Mais ça, le beat, il peut varier. Mettons, ACDC, moi je dis ACDC. Mettons, Highway to Hell. Là, il y a 3 personnes qui l'ont, 4 personnes qui l'ont fait, je vais prendre celle-là. Mais ça, c'est des personnes qui l'ont fait, là, c'est jamais vraiment la tune avec exactitude. Bon, c'est ça. Fait que, ça, c'était pour Guitar Hero 3 sur iPod Touch.